Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va faire numéro 5, page 33. Ouvrez le livre à la page 33 et suivez avec moi, on va lire l'exercice. Dans la figure ci-contre, on a ABD est un triangle tel que AB égale 5 cm, AD égale 3, BD égale 4, M est un point de AB tel que AM égale 1 cm, C un cercle de centre O et de diamètre MB. La droite DB coupe le cercle C en E. Reproduire la figure, je trace tout d'abord un segment de 5 cm, c'est AB de 5 cm. Puis, je prends le compas, j'ouvre le compas de 3 cm et je trace un arc de centre A et de rayon 3 cm. Puis, j'ouvre le compas de 4 cm et je trace un arc. Les deux arcs se rencontrent en D. Je joins A avec D et B avec D. Donc maintenant, M un point de AB tel que AM égale 1 cm. De A jusqu'à M, c'est 1 cm. CM. La droite, c'est un cercle de centre O et de diamètre MB. Diamètre MB, je prends le milieu de MB. MO égale 2. Je marque O milieu de MB 2 cm. MO égale OB égale 2. Et je trace un cercle de centre O. Et deux rayons OM égale 2 cm. Donc le rayon ici c'est égal à 2 cm. La droite DB coupe le cercle C en E, CE. Tout d'abord, il faut démontrer que ADB est un triangle rectangle en D. Pour démontrer que c'est un triangle rectangle en D, il faut vérifier l'égalité du théorème de Pythagore. AB rectangle en D, c'est-à-dire l'hypoténuse sur AB. AB au carré égale AD au carré plus BD au carré. Par hypothèse, on a AB 5 au carré. Je remplace chaque segment par sa mesure. 3 au carré plus 4 au carré. 25 égale 9 plus 16. C'est 25 égale 25. C'est vérifié. Donc, ABD est un triangle rectangle en D d'après la réciproque du théorème de Pythagore. C'est vérifié, mes élèves. Maintenant, B, montrer que les deux droites AD et ME sont parallèles. Regardez bien, mes élèves. MEB, c'est un triangle inscrit dans un demi-cercle. C'est un triangle rectangle en E, c'est-à-dire ici, on est à 90 degrés. Et ici, c'est un triangle rectangle en D déjà démontré. On a deux droite perpendiculaire à une même troisième sont parallèles. Ou bien je peux dire que ce sont deux angles correspondants à leur ME parallèle à AD. Il y a deux méthodes. Donc ADB égale 90 degrés, déjà démontré car ADB rectangle en D. On a démontré ça par deuxièmement partie A. Et MEB égale 90 degrés, triangle inscrit dans un demi-cercle de diamètre, l'hypoténuse MB. Alors on a ME perpendiculaire à DB et AD perpendiculaire à DB, deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles. Donc ME parallèle à AD. C'est déjà démontré. Maintenant, déduire que ME égale 2,4 cm. Puisque AD est parallèle à ME, déjà démontré, alors d'après le théorème de Thalès, BE sur BD égale BM sur BA. Regardez, ici on a ME parallèle à AD. Je commence par B. BE sur BD égale BM sur BA égale ME sur AD. Je remplace chaque segment par sa mesure. BE, on va chercher BE égale sur BD, BD 4, BM 4, BA 5 par hypothèse, ME. Il faut chercher ME. AD égale 3. Je prends les deux derniers rapports et je calcule ME égale 12 sur 5 égale 2,4 cm. C'est vérifié, mes élèves. Maintenant, troisième partie C. Troisièmement, c'est partie C. Les deux droites AD et OE se coupent en J. Je trace OE et je prolonge AD. Les deux droites se coupent en J. Montrer que OM sur OA égale OE sur OG et ME sur AG. C'est le rapport de Thalès, mes élèves. Regardez, on a ME parallèle à AD. C'est-à-dire, il est parallèle à AJ. Donc, je peux appliquer le théorème de Thalès dans le triangle OGA. Regardez, OE sur OJ égale OM sur OA égale ME
sur AG. Puisque ME parallèle à AD, alors ME parallèle à AJ, donc d'après le théorème de Thalès, dans le triangle OGA, OM sur OA égale OE sur OG égale ME sur AG. Regardez comment peut-on écrire ça. Puisque AG parallèle à ME, alors AD parallèle à ME, car AD parallèle à ME, c'est-à-dire AG, c'est la même chose. D'après le théorème de Thalès appliqué dans le triangle OGA, car ME parallèle à AG. Donc OM sur OA égale OE sur OG égale ME sur AG, c'est déjà démontré. Maintenant, B, déduire que OAOG est un triangle isocèle en. Je prends le rapport. Tout d'abord, on a par hypothèse que AM égale 1 cm et OM égale 2, c'est un rayon. 2 plus 1, c'est égal à 3 cm. Donc OA est égal à 3 cm. On va chercher OJ. J'écris le rapport puisque OME parallèle à AG. Donc OM sur OA égale OE sur OG. J'écris OM c'est 2, OA 3, OE c'est 2, OG, on va chercher OG. Regardez, OE c'est un rayon. Donc OM rayon, OA égale 3. Je prends les deux premiers rapports et je cherche OG maintenant. Mes élèves, 2 fois OG égale 2 fois 3. OG égale 6 sur 2 égale à 3 cm. Donc OAG est un triangle isocèle en E ayant deux côtés égaux. Regardez. OG, OG égale 3 et OA égale 3 cm. C'est un triangle isocèle. Maintenant, calculer la longueur de AG. AG. De même, OM sur OA, puisque ME est parallèle à AG, OM sur OA égale ME sur AG. Donc, je cherche AG égale 3,6 cm. Donc, AG égale 3,6 cm. Soit N un point du segment AG tel que AN égale 0,72 cm. Je prends, c'est-à-dire avant le 1 cm, 0, c'est-à-dire 72 mm, 7 mm. Et je marque le point N ici. Montrer que le de droite MN, MN, je joins M avec N, et BG sont parallèles. Regardez, mes élèves. Il faut démontrer que MN et BG sont parallèles. Regardez, j'écris le rapport de Thalès. Il faut démontrer que AN sur AG égale AM sur AB. Il faut démontrer ça. Je démontre tout d'abord AN sur AG. AN égale 0,72, c'est par hypothèse. AG égale 3,6, on a cherché AG. Donc, tout d'abord, je multiplie en haut et en bas par 100 pour enlever la virgule. C'est 72 sur 360, puis je simplifie par 72, c'est 1/5. Et on a AM sur AO, AM égale 1. Par exemple, AM sur AB. AM sur AB. En appliquant le théorème de Thalès dans le triangle AGB. AM sur AB. AM égale 1. AB égale 5 par hypothèse, c'est 1/5. Donc les deux rapports sont égaux. AN sur AG égale AM sur AB. Égale 1 sur 5. Donc, MN parallèle à BG d'après la réciproque du théorème de Thalès. Merci mes élèves. Merci, n'oubliez pas à copier ça sur le cahier et il faut bien comprendre le numéro 5, page 33.